Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Bonjour à toutes et à tous, donc merci d'être venus aussi nombreux. Alors ce soir on a 2 heures à passer ensemble avec Pierre Rabhi, donc on est bien installés, nous on est tranquilles, j'espère vous aussi, on est dans nos fauteuils. La couleur va bien, le pull, le rose, tout va bien. Et on va faire en sorte qu'on passe un moment agréable et le plus enrichissant possible. Donc j'essaierai de vous expliquer un peu comment on va fonctionner, je vais essayer de vous donner aussi la parole, c'est mon rôle ici, c'est un peu l'état d'esprit de ces rendez-vous en sciences humaines, Avenue Centrale, c'est de faire circuler la parole. Donc je vous demanderai d'être relativement court dans vos questions à Pierre Rabhi, et puis qu'on puisse comme ça éviter les frustrations, même si on imagine qu'on vous a capté, on ne vous lâchera plus dans les prochains mois et les prochaines années. Voilà, ça c'est ma promesse à moi. Alors ce soir, moment exceptionnel, Muriel Jacobiak l'a dit, sera exceptionnel d'abord parce que ça semble un énorme truc, mais on l'a bricolé entre nous, un peu, pour ceux qui ont lu Michel de Certeau, on a un peu bricolé notre soirée, puis c'est devenu quelque chose d'important, j'en suis très heureux. Alors on l'a construit ensemble dans un partenariat ouvert, d'abord la MSH Alpes autour d'un dispositif, Muriel l'a dit, qui s'appelle les conférences Avenue Centrale, rendez-vous en sciences humaines. Son directeur est là, c'est Laurent Bègue, il se cache parce qu'il est toujours timide. L'université Grenoble-Alpes, alors c'est quand même pas mal, parce que trouver un amphi avec pas loin de 1000 personnes sur l'agglomération, alors je ne sais pas s'il faut en construire un deuxième plus grand encore pour vos prochaines conférences, bientôt vous ferez le tour des zéniths. Hein. En tout cas, l'université Grenoble-Alpes nous a proposé cette salle, j'ai tout de suite contacté la présidente Lise Dumazy, qui est là avec nous, et tout de suite ça a été oui, on va trouver. Donc ça c'est très bien aussi. La ville de Grenoble, le maire Éric Piolle est présent. Il y a des adjoints, il y a aussi des équipes dans une autre démarche qu'on associe qui s'appelle Ville de demain. Toujours cette logique comment ensemble on peut réfléchir à ce qu'on est aujourd'hui, puis à ce qu'on pourrait construire demain. C'est pas facile d'organiser des scènes comme ça, relativement inter ou multiprofessionnelles. Vous parliez d'écosystème tout à l'heure quand on a échangé. Alors c'est aussi une soirée exceptionnelle par le lieu impressionnant et l'heure de la conférence. Généralement, les conférences Avenue Centrale, il y a quelques-uns que j'ai reconnus qui viennent régulièrement, pas tous, je sais, hein, parce que la jauge de la MSH, c'est 100 personnes, donc 120. Là, on est autour de 900 000. C'est midi un quart, 13h15. Donc, vous voyez, l'horaire est pas toujours le même. Soirée exceptionnelle aussi, bon, par le nombre de personnes. Je me disais tout à l'heure, il doit y avoir bien des élus, des politiques, voire des enseignants-chercheurs qui rêvent de tant de personnes dans une salle pour les écouter. Je rappelle aussi que la conférence, elle est retransmise dans un certain nombre de lieux. Je ne vais pas tous les citer, mais je crois que 6-7 lieux sur l'agglomération, puis que tout le monde peut suivre ça sur Internet. Donc on salue celles et ceux qui nous suivent. Soirée exceptionnelle aussi, et surtout parce qu'on reçoit ce soir Pierre Rabhi autour d'une conférence que je vais le laisser installer tranquillement sur le thème de la sobriété heureuse, et qui est le titre de l'un de ses ouvrages qui est paru en 2010. Et qui est repris dans une partie de sa réflexion est reprise dans un ouvrage de 2015 sur le titre, vous me corrigerez s'il n'est pas tout à fait juste, c'est la puissance de la modération. Donc, où cette question. C'est autre chose. Hein. D'accord, mais il y a des éléments qui sont à l'intérieur, qu'on retrouve à l'intérieur. Voilà. Alors, Pierre Rabhi, est-ce qu'il faut vous présenter? Je me suis dit, peut-être que dans cette salle, il y a quelques personnes qui seraient parties sur une autre planète, qui auraient quitté la France et peut-être même la planète, et qui ne sauraient pas qui est Pierre Rabhi. Alors, je vais donner quelques éléments de ce que j'ai cru comprendre de qui était Pierre Rabhi.
mais savons-nous qui nous sommes nous-mêmes? Alors, le petit bulletin d'hier, vous voyez, j'ai des références, des vraies références, il y a quelqu'un du petit bulletin dans la salle, vous qualifiez de rockstar sobre. Et je trouve que c'est pas mal. En tout cas, vous êtes un habitué des plateaux télé, des émissions de radio, et c'est vrai que vous attirez les foules. Alors parfois, certains, je pense qu'ils sont souvent jaloux, vous qualifiez un peu de gourou. Et là, alors que vous êtes dans une révolte douce, toujours, enfin en tout cas, c'est comme ça qu'on vous voit fonctionner, vous réfutez assez, j'ai vu quelques émissions radical. De télé, de façon très radicale, cette posture de gourou. Alors mais comment on va le présenter? Moi j'aime bien, dans les différentes présentations qu'on trouve sur vous, cette idée de poète paysan. J'aime bien ça, moi en tout cas ça me va bien. Bon. Et puis il y en a une autre que je vous propose, que j'ai dû piquer dans mes lectures, c'est utopiste concret. Ça semble paradoxal, mais vous parlez souvent d'utopie concrète, et c'est un terme aussi que j'aime beaucoup. En tout cas, vous prendrez ce que vous voudrez, ce que vous préférez, ou rien. C'est pas ça le plus important. Alors peut-être un mot, puisque je vous le promettais, sur... Qui vous êtes? Pourquoi j'en dis un mot? Parce que j'ai l'impression que votre réflexion, vous la construisez avec votre corps, hein, de façon très dans le faire, dans l'exercice, et que votre parcours de vie, ce que j'en ai compris, il est là aussi moteur de votre réflexion. Vous dissociez pas ces deux faces, en tout cas dans vos travaux et dans vos réflexions. Alors que vos fans et Enzo qui est dans la salle se rassurent, je ne vais pas raconter l'histoire du petit colibri, hein, puisque si vous êtes là, c'est que vous l'avez entendu. Colibri, c'est aussi le nom de votre association, c'est aujourd'hui pas loin de 100 000 membres, je crois, et 100 000 membres pour une association, c'est monstrueux, mais pour un colibri, c'est pas monstrueux. Voilà. Alors votre vie, c'est un petit peu un roman, avec des moments pas trop faciles. Alors j'ai lu que vous étiez né en... Je peux donner la date de votre naissance ? Oui, bon, parce qu'elle est connue de tous. Vous êtes né en 1938 à Kenatsa, dans le sud algérien, je prononce sans doute très mal, et votre premier nom était Rabah Rabi, ce qui signifie en arabe le vainqueur. Donc c'est pas mal. Donc comment on peut vaincre en étant modéré? Donc voilà, et faut-il vaincre? Je crois pas que ce soit tout à fait ce que vous dites dans vos travaux. Alors votre maman disparaît quand vous avez 4 ans. Voilà, votre papa vous confie à un couple de Français qui était venu travailler dans le sud oranais. Je le dis parce que dans une partie de vos ouvrages, on découvre l'itinéraire d'un, ce que vous appelez vous-même, vous vous appelez un gamin du désert. Hein, un gamin du désert, privé de parents, et puis toujours révolté contre la société, surtout ses excès. Et de plus en plus... Voilà, mais on voit que ça, petit à petit, dans les premiers écrits, on voit petit à petit qu'il y a une espèce de révolte qui monte, et dans vos premiers livres, vous parlez plutôt de votre parcours et de vos travaux en agronomie notamment. Donc à partir de 60, vous vous installez en Ardèche, avant tout ce mouvement, hein, 68 art, comme on dit parfois. Et puis après 3 ans comme ouvrier agricole, vous allez devenir paysan, un terme que vous aimez beaucoup, que vous revendiquez encore aujourd'hui, même si je vous ai entendu tout à l'heure parler de jardinier. Vous allez vous lancer dans l'élevage ovin. Et vous allez caprin, d'accord. Et vous allez expérimenter. Vous voyez, il y a des données qui circulent, qui sont pas tout à fait exactes. Et vous expérimenterez l'agriculture biodynamique, dont vous êtes un des spécialistes et un des précurseurs. C'est en cela que vous faites aujourd'hui dans les pensées qui circulent. On parle beaucoup de do it yourself en anglais, de makers et de faiseurs. En fait, vous êtes un faiseur ici et maintenant, avec cet attachement qui semble important. Très vite. Vous allez accueillir et conseiller d'autres néo-ruraux et développer donc cette capacité, ce talent que vous avez de transmettre, et donc ce rôle particulier de passeur, mais aussi de pédagogue. Je ne sais pas si vous l'acceptez. Je vais passer sur les nombreuses étapes, rassurez-vous, du parcours, et vous y reviendrez sans doute dans votre réflexion. Mais il y a un autre aspect qui me semble important, c'est votre déploiement international. Mais c'est un international modeste, toujours dans le faire.
J'ai lu ce que vous avez pu faire aussi et dire sur ces travaux en Afrique, notamment au Sahel, au Burkina, au Mali et dans d'autres pays. Je laisserai chacun apprécier vos qualités de poète. Je n'ai pas à les mettre en avant. Il y a d'autres caractéristiques aussi dans votre parcours, c'est l'engagement citoyen, avec des prises de position régulières en France et au-delà. Mais vous n'avez jamais basculé dans un engagement politique au sens « je me transforme en homme politique » comme on le dit traditionnellement, mais peut-être que vous ne faites que ça. De la politique au sens où vous le définissez. Et vous parlez, c'est un très beau terme, d'insurrection des consciences. Voilà. Il y a aussi, dans votre travail, une dimension spirituelle qui est importante dans vos écrits. Et c'est là-dessus, parfois, que les scientifiques viennent vous titiller en voulant vous ramener chez eux, c'est-à-dire dans les sciences. Mais vous êtes dans des ailleurs, d'accord ? Mais vous acceptez ce débat, et je l'ai vu cet après-midi au sein de l'université. Voilà, donc ce parcours, vos expérimentations font de vous aujourd'hui une personnalité médiatique, écoutée, auprès de laquelle beaucoup viennent s'afficher. J'ai noté que vous aviez de plus en plus d'amis, hein, pas sur Facebook, mais dans les réseaux, et pas simplement en Ardèche, mais un petit peu partout en France et dans le monde. Alors votre silhouette, votre visage sont désormais très familiers pour pas mal de Français qui vous voient sur le petit écran, qui vous voient aussi sur le grand écran, puisqu'il y a quand même quelques succès dont vous n'êtes pas étranger, je parle notamment de Demain et d'autres. Nombreux aussi sont ceux qui vous lisent, une quinzaine d'ouvrages, j'aurais pu les ramener, on m'en a posé quelques-uns, des étudiants qui auraient aimé que vous les signiez, voilà, mais ça sera peut-être difficile. Et puis, il me semble, je terminerai là-dessus, que vous êtes petit à petit en train de prendre la place d'une figure rassurante. Et il y en avait une dans mon enfance, peut-être que vous ne voulez absolument pas assurer cette comparaison, parce que ce n'était pas un scientifique au départ, mais c'est quelqu'un qui était une espèce de figure pendant des années de quelque chose qui avait rapport à l'environnement, en tout cas à cette époque, et évidemment, vu d'aujourd'hui, c'est caricatural, c'était Cousteau. À un moment donné, il a été une figure qui nous a amené vers quelque chose. Après, on a vu que le personnage était certainement plus complexe. Et je trouvais intéressant qu'on vienne vous écouter, et que les Français notamment, mais vous êtes traduit maintenant dans le monde entier, que les Français qui sont un peu désarçonnés dans un monde qui change vite, ont besoin de figures de réassurance. Et vous apparaissez comme une figure de réassurance. Donc c'est une position particulière, ça vous donne un impact énorme. C'est assez génial de prendre un micro et 1000 personnes, vous pouvez raconter une blague. Vous pouvez passer un message, c'est plus tous les gens qui nous écoutent. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une énorme responsabilité. Et ce qui est étonnant avec vous, c'est qu'elle ne semble pas vous peser, cette responsabilité. Vous en avez une forte conscience dans ce que vous écrivez, mais vous êtes une espèce de personnage très, très, très simple, très, très abordable et attrapable par toutes sortes de personnes. Ça, c'est important. Je me disais quand même que vous vous exposez pas mal et que sans doute les critiques risquent d'arriver ou sont déjà un petit peu arrivés. Il y a les scientifiques qui aimeraient que vous soyez un scientifique aussi sur leur domaine de compétences. Puis il y a ceux, vous le dites avec beaucoup d'humour dans un de vos écrits, il y a ceux qui rêveraient de vous voir arriver en conférence en charrette. Donc vous n'êtes pas venu, charrette à cheval, hein, vous n'êtes pas venu en charrette en conférence. Voilà. Alors on aurait pu vous demander d'intervenir sur l'agriculture biodynamique, sur la société civile, mais on a préféré vous entendre sur un thème qui nous concerne beaucoup ici et à l'université, à Grenoble, mais en France et dans le monde, c'est la question de la sobriété. On avait imaginé que vous puissiez prendre une bonne heure pour installer votre propos autour d'un éloge de la sobriété. Voilà ma proposition. Ensuite, on aura une bonne heure ensemble d'échange avec Pierre Rabhi. Et puis ensuite, vous pourrez revenir à une vie normale. À vous, Pierre Rabhi. Je vous passe mon micro et je prends l'autre. Voilà. Bah écoutez, grand merci. Je vois que le balisage est bien fait. Il y avait des fautes, vous voyez ? Oui. Au vin, caprin. Ouais, oui, ça, c'est quand même pas grave. C'est-à-dire que le balisage y est, mais je me permettrai de reprendre un tout petit peu le contenu, en quelque sorte, des choses, parce que c'est vrai que le balisage est là, c'est vrai qu'on aboutit aujourd'hui à une écoute internationale. Et pourquoi cette écoute internationale ? Parce qu'on peut dire que la planète entière est aujourd'hui dans une espèce de désarroi, dans le sens où l'espèce humaine, vous savez, on fait le ratio temporel
Quand on prend 24 heures, ben l'espèce humaine, c'est une minute et demie à deux minutes dans sa réalité actuelle. Et finalement, on se pose la question, vous savez, on a commis un ouvrage avec Jean-Marie Pelt, qui a posé en quelque sorte tout le préalable, disons, de l'organisation de la vie sur Terre, et sur quelle base elle s'est organisée. Et ce qui a été mis en exergue, c'est en fait que ça s'est fait sur la coopération et l'associativité. Et ensuite vient ce que Teilhard de Chardin appellerait par exemple le phénomène humain. En tant qu'espèce, nous, en tant qu'espèce, nous arrivons dans cette réalité qui nous a précédés de plusieurs milliards d'années, et nous arrivons là, et finalement, qu'est-ce que nous représentons d'abord ? Et puis ensuite, quel a été l'impact que nous avons exercé sur cette oasis magnifique qu'on appelle la planète Terre, et cette oasis exceptionnelle qui est perdue dans une sorte d'immense désert astral et sidéral dont on connaît quelques éléments, mais dont on ne sait pas finalement ce qu'il représente en termes et de temps et d'espace, de l'infini. Voilà, de l'infini. Et cet infini a toujours amené finalement l'être humain, moi pendant une période où j'étais dans une des grandes interrogations, puisque je suis ce qu'on appelle le double culture, j'ai été à la fois, je suis né dans le monde de l'islam, et puis les circonstances douloureuses pour moi, la perte de ma mère alors que je n'avais que 4 ans avec un frère, amène mon père à se poser des questions sur l'avenir. Et on était dans le contexte où la proposition ou le paradigme occidental était triomphant. Il était planétairement triomphant. Donc on découvre du charbon dans notre pays, une petite oasis perdue dans le désert algérien, qui avait été fondée par ce qu'on appelle un thaumaturge. Et ce thaumaturge était soufi. C'est-à-dire qu'il était... complètement, alors là c'est à l'opposé de ce qui se passe maintenant dans cet islam fou, des assassins et des fous qui se revendiquent de l'islam, qui mettent en avant l'islam pour commettre les pires horreurs. C'était complètement le contraire, les soufis étaient des grands pacifiques, et on avait l'impression que ce lieu fondé par ce thaumaturge était en quelque sorte dans l'apaisement. Il y avait son mausolée, puis il créait une espèce d'ambiance très apaisée, de gens qui refusaient la violence. Donc je suis né dans ce milieu-là. Alors pour en revenir évidemment à la question l'humanité, quelle est la signification de l'humanité, j'avoue n'avoir pas trouvé. Et étant dans cette double culture où je passais confié à un couple de Français, un ingénieur et une institutrice venus au pays pour l'exploitation du charbon que les Français avaient trouvé, parce que ce charbon était sous nos pieds, mais on ne le savait pas. C'est les Français qui l'ont révélé. Exploiter le charbon, ben, ça rentrait un peu dans la logique globale du moment ou de cette modernité qui avance sur le triomphe de la technique et de la science, et qui est issue strictement, alors sans aucune ambiguïté, de l'Europe elle-même. C'est l'Europe qui a généré cela. Et donc à partir de ce moment-là, on rentre dans ce paradigme du triomphe de l'homme créateur, de l'homme qui va faire même des miracles technologiques. Et dans cette aventure, les Français donc viennent exploiter le charbon chez nous, et mon père... chargé de deux enfants orphelins, se dit que finalement l'avenir n'est plus entre nos mains, il est entre les mains des Européens, puisque à l'évidence ils sont triomphants. Voilà. Et donc il fallait que je connaisse un peu les secrets, les préceptes et les principes qui animent ces gens. Et j'ai été confié donc à un couple, une institutrice et un ingénieur français, destiné éduquez-le, voilà. Apprenez-lui les secrets du monde actuel. Avec quand même une exigence, il faut qu'il reste musulman. C'était pas
possible qu'il se transforme en autre chose. Il doit rester musulman dans un milieu chrétien. Alors vous imaginez combien c'est compliqué. Quand vous avez d'un côté dans la culture musulmane, il ne faut pas toucher au porc, il ne faut pas boire de vin, etc. Et puis dans l'autre famille, ma mère adoptive, ce n'est pas une adoption officielle, c'est une adoption de cœur. Elle était bourguignonne, elle était capable de siffler sa bouteille de vin sans aucun problème. Et on pleure, en plus tout le monde se régale de saucissons, de jambon, de trucs, alors que de l'autre côté on me dit surtout ne touche pas à ça. Voilà. Alors ça démarre mal, vous voyez. Et donc à ce moment-là vous êtes un peu sur. Vous êtes placé entre deux logiques, deux principes contradictoires, et puis vous souffrez parce que. En fait, moi, je n'avais pas tellement envie de quitter ma communauté initiale où j'étais confortablement installé, où je suivais, j'enviais ceux qui, mes camarades qui restaient dans la logique, mais qui ne sortaient pas de cette logique, et pour eux, ils vivaient les choses simplement. Tandis que moi, je suis rentré dans cette complexité d'une interrogation précoce par rapport à qui a raison. Et ça a mis en évidence, finalement, que le genre humain est en interrogation permanente sur... Où est la vérité? Alors, ça m'amène beaucoup. Je suis un écolier moyen. Je réussis à avoir quand même mon certificat d'études. Et puis ensuite, ça se bloque parce qu'en fait, l'aspect poétique prend le dessus chez moi. Déjà. Oui, l'aspect poétique prend le dessus. L'énoncé du problème, c'est une ménagère va au marché pour acheter je ne sais pas quoi, et puis elle va acheter des œufs, compte tenu qu'un œuf vaut tant, elle en prend une douzaine, combien elle doit payer. Voilà. C'est simple. Mais moi, je partais dans un délire poétique, la ménagère avec sa robe à fleurs, avec l'ambiance du marché, j'étais envahi par une espèce d'élément poétique. Évidemment, j'énervais beaucoup mon instituteur parce qu'il disait, mais c'est très simple, tu prends... Il me criait dans les oreilles, tu vois, c'est pas compliqué, combien, un œuf vaut combien, tu multiplies par 12 et tu as la solution. Sauf qu'il ne tenait pas compte de cette poétique dominante qui m'amenait à avoir les odeurs du marché, l'ambiance du marché. La dame avec son petit chien, je partais là-dessus. Et c'est là où on me demandait d'être rationnel. C'est pas d'être dans le délire poétique. Et ça a été la première, disons, amputation, c'est de rentrer dans un monde qui est dépoétisé, c'est-à-dire qui rentre dans la rationalité totale et absolue. Et d'ambiguïté en ambiguïté, de contradiction en contradiction, j'arrive à me dire, mais finalement, qui a raison? Alors je me mets à fréquenter énormément les philosophes. En me disant, les philosophes, ils ont sûrement la réponse, quoi. Parce qu'eux, ils ont réfléchi, etc. Et voilà-t-il pas que les philosophes ne s'entendent pas non plus. Il n'y a pas unanimité chez les philosophes. C'est ce qui a donné d'ailleurs les clivages Est-Ouest avec le marxisme et autre chose. Tout ça, ce sont des philosophies. Mais les philosophies ont produit quoi? Ils ont produit aussi une organisation sociale et des êtres humains en fonction de ces critères et de ces principes énoncé par les philosophes. Et les philosophes ont été, en quelque sorte, des inspirateurs de la conscience collective, mais dans une forme contradictoire. Voilà. Et puis j'arrive à Socrate, et puis là, ça y est, la solution était là. Et qu'est-ce que dit Socrate? En gros, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Jean Gabin, il dit ça aussi. Oui, bien plus tard. Bon, d'accord. Mais et j'essaye de voir un petit peu ce qui s'était passé par le grand Socrate, c'est qu'en fait, il y avait à l'époque ce qu'on appelait les sophistes. Et les sophistes, c'était des gens qui jouaient à la philosophie comme on joue au poker ou aux dames. Ils jouaient pour essayer de dominer l'autre. Je vous domine par ma logique et à ce moment-là, je vous mets dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit. Et donc, même une erreur, je vous ai vaincu, même si, ou vous m'avez vaincu, parce que je vous coupe complètement toute échappatoire, et donc vous ne pouvez plus rien dire. C'était ça les sophistes. C'est-à-dire que
Socrate, lui, était en quête de la vérité. Il n'était pas en quête de. Il n'était pas là pour dire, je vais, avec mes arguments, je vais vaincre l'autre. Et c'est à partir de ce moment-là que rentrait dans ma tête l'idée selon laquelle il fallait peut-être explorer, en tout cas ce qui était explorable et à la portée, disons, de notre raison. Et on s'aperçoit que la raison est limitée. Et que quoi qu'on fasse, il restera toujours ce mystère infini qui effectivement nous fait regarder le ciel. Dieu sait qu'il y a eu de grands observateurs du ciel en permanence pour savoir est-ce que le, et encore maintenant, est-ce que le ciel peut nous révéler quelque chose qui puisse nous permettre finalement de comprendre ce qu'est notre propre destinée. Et malheureusement, les réponses soit sont divergentes, soit n'existent pas. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous vous dites, il y a l'éruption et l'intrusion d'une culture qu'on appelle la culture moderne. Et cette culture moderne, en fait, remet en question pratiquement tout le passé en amenant un paradigme qui est le paradigme absolu, qui repose en fait sur le triomphe prométhéen. Prométhéen, c'est-à-dire l'être humain, devient si puissant qu'il n'a plus besoin ni de Dieu ni de quoi que ce soit. Il, par la technique, la science et ses capacités à faire des prodiges technologiques, eh bien, il va explorer la réalité, pas le réel, parce que le réel est très, très, très large. Et en explorant cette réalité, il va en quelque sorte l'aménager de façon à ce que son triomphe soit évident et il va éradiquer tout ce qui nuit à l'être humain et à son bonheur. Il nuit au bonheur. Donc, c'est une essence, c'est une quête vers le bonheur, mais qui passe par la négation de tout ce qui s'est dit jusque-là et le grisé par ces miracles technologiques, il va considérer qu'il est capable de changer complètement le destin le parcours de l'histoire, c'est-à-dire l'évolution historique. Et on arrive donc à cette modernité triomphante, prométhéenne, démiurgique, prométhéenne, qui a dans ses concepts et ses principes, l'être humain va par lui-même finalement modifier sa propre destinée et il va s'assurer à lui-même le bonheur tant escompté, tant recherché depuis si longtemps. Et nous voilà donc dans le paradigme actuel qui est celui de dire la technique, la science, etc. Tout ça est exalté. Et puis on en arrive à aujourd'hui, on dit finalement, est-ce que ça a fait évoluer? Bien sûr, on a des évolutions technologiques, nous faisons des miracles, nous faisons voler des masses de métal dans l'air, nous faisons des choses extraordinaires, le micro, tout est là. Et puis finalement, voilà, est-ce que tout cela tient debout ou bien est-ce qu'il y a quelque chose à rechercher puisque nous sommes toujours en quête de la joie, parce que la joie, c'est pas, disons, comment dire, le plaisir. Le plaisir, c'est d'une autre nature. La joie est transcendante, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne relève pas de quelque chose qu'on peut acquérir, mais de quelque chose auquel on peut s'ouvrir et qui peut nous submerger en quelque sorte. Nous ouvrons à la joie et nous essayons de conquérir des plaisirs. C'est pas la même chose. Et pourquoi des gens démunis, presque démunis, sont joyeux et d'autres qui sont dans la surabondance ne le sont pas? Comment se fait-il que les gens qui sont dans la surabondance, donc qui devraient être satisfaits, consomment de plus en plus d'anxiolytiques pour essayer de sentir un tout petit peu ce que signifie cette joie, c'est-à-dire le départ de soi-même pour un allègement et un ressenti de l'allègement. Donc nous arrivons à une. Aujourd'hui, nous gérons un énorme malentendu, une énorme déconvenue. Ah oui, mais les choses ne marchent pas si bien que ça. Et que ce qui s'est passé aussi à travers cette démiurgie ou cette quête prométhéenne, elle a concerné aussi notre rapport à la nature.
C'est-à-dire la nature, déjà dans la Bible, il a été annoncé que l'être humain doit dominer la nature. Elle est faite pour lui. Et ça commence aussi par la subordination de la femme. Et cette Ève, quelle idée elle a eue d'aller croquer une pomme et nous foutre dans un bazar pas possible. Mais c'est Ève qui a croqué la pomme, c'est pas Adam. Adam, il est victime, le pauvre, de ce que Ève a croqué la pomme. Et ce qui fait que le clivage féminin-masculin, une espèce de subordination du féminin qui est encore d'actualité, par rapport à un masculin dit triomphant ou dominateur. Donc déjà, il y a un déséquilibre entre ce féminin et ce masculin qui sont nécessaires à l'équilibre général de l'avancée dans notre histoire. Et du coup, aujourd'hui, on est un peu dépité. D'accord, on a des bagnoles, d'accord, on a des avions, d'accord, on a décidé ça. Mais qu'en est-il de notre évolution propre ? Et cette évolution, malheureusement, elle est toujours aussi attardée, puisque l'humanité, globalement, donne beaucoup plus d'importance aux armements et aux meurtres, à comment perfectionner l'art de tuer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les drones, les machins, c'est perfectionner l'art de tuer. Sur une planète absolument magnifique, qui est une oasis extraordinaire, au milieu d'un immense désert sidéral et astral, qui propose absolument tout, tout pour être heureux sur cette planète, sauf que nous faisons tout pour ne pas l'être. Et du coup, se pose la question de la détresse et de l'enlisement de l'histoire humaine actuellement. Et cet enlisement se pose en termes, existe-t-il finalement une voie, une prolongation pour faire de notre présence au monde quelque chose de joyeux, de gai, de beau, d'élégant, plutôt que cette horreur et cette dédiée à la violence, dédiée à tout ce qui détruit. Et en même temps, notre rapport à la vie elle-même est maintenant extrêmement détérioré. J'ai eu il y a quelques jours, et tout ça pourquoi ? Parce qu'au plan mental, d'abord, quand on lit toute la Bible, décidément, je suis en train d'accabler la Bible, mais quand vous rencontrez une femme, c'est soit une femme exceptionnelle, soit une femme très... Voilà, très, très... Vous devinez. Bon. Arrive ce monsieur qu'on appelait Jésus. Et lui, il a rétabli un peu les situations. Déjà. La femme adultère, enfin, on connaît toutes ces choses-là. Et donc, du coup, tout cela... et évolue dans ce sens-là de quelque chose de guingois, c'est-à-dire qui a pris l'élément des pulsions négatives de l'être humain, et c'est les pulsions négatives de l'être humain qui ont pris le dessus et inspirent cette humanité violente. Et on cherche pourquoi. Bon, après on va dans la phase psychanalytique des choses. Il est certain que ce qui est difficile pour nous genre humain, c'est de savoir que nous allons mourir. Je pense que j'ai pas besoin, c'est pas un scoop, hein, j'ai pas besoin de vous le ressentir. Et qu'en plus, tout le monde est inscrit. Qu'on ait des milliards ou qu'on n'ait pas des milliards, on négocie pas, c'est pas négociable. La seule chose qu'on sait pas, c'est à quel moment votre dossier va arriver sur la table de quel décideur, j'en sais rien. Ouais. Faut qu'il y avait le bras long pour y dire. remettre mon dossier un peu en dessous de la pile. Je vais vous renseigner. Votre prix sera le mien, hein, si vous le cherchez. Il n'y a pas de problème. Et donc voilà, on est plongé dans cette peur de l'avenir, dans cette peur de qu'est-ce qui va se passer après la mort. Est-ce que nous, alors bien sûr, nous explorons le monde métaphysique, et on cherche à se rassurer quelque part. Alors peut-être qu'il y a des propositions et des préceptes ou des credos qui sont justes, mais on est incapable de les vérifier puisque personne n'est revenu de là où il est parti. Et donc voilà l'humanité prise dans un système qui l'amène finalement à une peur exacerbée. Cette peur exacerbée cherche la sécurité
Et la sécurité, la recherche de la sécurité prend des formes multiples. Dans le domaine métaphysique, ben chacun a ses croyances. Malheureusement, même ses croyances, c'est-à-dire le fait du Dieu unique qui est la base des civilisations importantes, Dieu unique qui a donné le judaïsme, le christianisme et l'islam, eh bien, christianisme, islam et tout ça ne s'entendent pas. Personne ne s'entend, il y a des conflits, il y a des dualités, même à l'intérieur de chacune des religions, il y a des dualités. Et de dualité en dualité, ben, on arrive à un monde anxiogène et où la quête de la sécurité amène finalement à créer des nations. Chaque nation est barricadée derrière ses frontières. Chaque nation se revendique, brandit son drapeau et puis voilà une humanité complètement fragmentée, à la fois dans le domaine évidemment de l'organisation ordinaire de notre présence sur cette planète et à la fois dans les concepts, c'est-à-dire dans toutes les croyances, les religions, etc., qui sont aussi dualistes. Et tout est duel. Mais la pire des dualités, c'est le fait de s'être éloigné, en quelque sorte, des sources de la vie. Et c'est ça ce qui nous ramène à ce concept d'écologie. Moi, pour moi, le concept d'écologie, il est sur deux plans. Il est évidemment sur le plan de la continuité de la vie. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est pour ça que je suis agroécologiste. Et l'agroécologie, c'est ça. C'est en fait, je respecte les lois de la vie et je rentre dans les lois de la vie. Je n'utilise pas de produits toxiques à mettre dans le sol, je n'utilise pas de produits toxiques à répandre dans les environnements, et je garde, disons, une fidélité, et je suis à l'école de la vie, de ce qu'elle, elle, m'inspire, et non pas de ce que moi, je veux imposer. Et à partir de là, je comprends cette réalité à travers la compréhension de moi-même. Alors la compréhension de soi-même, c'est ce qui est le plus difficile. Parce qu'on est tellement un tissu de contradictions et on est dans une telle complexité par notre histoire, nos appartenances, nos croyances, etc., qu'il est très difficile pour nous de nous dégager réellement pour avoir une vision claire de nous-mêmes. Donc le fameux « connais-toi toi-même », je crois que c'était les pèlerins de Delphes qui parlaient de ça, « connais-toi toi-même », etc. Eh bien, c'est ce qu'il y a finalement de plus difficile. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes dans une forme d'impasse qui se traduit par le fait que, qui est bien, à mon avis, traduit par Fournier, qui dit « nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons ». Comme s'il y avait une espèce de fatalité contre laquelle on ne peut rien. Comme si voilà, le courant de l'histoire, c'est un fleuve qui nous emporte dans la direction qui lui convient, sans que nous, et en même temps notre libre arbitre, c'est-à-dire notre capacité nous-mêmes à réorienter l'histoire positivement, devient de plus en plus difficile par la complexité qu'on a créée. Et alors les politiques, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je suis pas dans leur âme, je ne les juge pas. D'autant plus que les politiques, quand on est en dictature, ben, y a rien à dire. Mais quand on est en démocratie, un politique ne vient au pouvoir que si un certain nombre de consciences et d'individus le mettent au pouvoir. En démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Donc, simplement accuser le politique comme étant le bouc émissaire, non. C'est aussi, il est représentant aussi d'une volonté, au moins d'une majorité humaine, qui l'a élu. Donc, il y a une co-responsabilité, forcément. Et puis ensuite, ben, on cherche finalement qu'est-ce qu'il faut envisager pour l'avenir. Et cet avenir ne peut absolument pas se construire. Figurez-vous qu'on m'a proposé de me présenter aux élections en 2002. Alors je suis allé en tremblant parce que je me disais, qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? Moi, il y avait assez longtemps que je comprenais que je suis très respectueux des convictions des uns et des autres. Mais je crois que quand on réduit les choses encore dans cette fragmentation, la gauche, la droite, je suis respectueux de ça, chacun, je ne donne pas de leçons. Mais on continue dans la fragmentation. Et l'humanité fragmentée,
race contre race, culture contre culture, religion contre religion, pays contre pays, etc., etc., aboutit à une humanité qui a du mal, disons, à accorder ses violons de façon à jouer la même symphonie, c'est-à-dire à reconnaître que nous sommes une espèce particulière. Et la grande question de notre espèce, c'est que c'est nous existons pourquoi ? Et ça a été, pour moi, j'avais une telle interrogation sur l'aspect, d'abord, cette espèce de séparation et de la nature, alors que je suis la nature. Et il y a une dame faisait une enquête, je l'ai peut-être dit, sur l'eau. Je lui ai dit, madame, vous êtes de l'eau, donc vous faites une enquête sur vous-même. Et je pense que dans cette salle, c'est de la flotte. Je m'excuse, je ne veux pas être désobligeant, mais enfin, nous sommes tous de la flotte, qu'on le veuille ou non. Bon, moi, si on me presse, il n'y aura pas grand-chose, mais il y en a d'autres qui sont bien mieux pourvus. Nos os sont minéraux, notre chair est terrestre, et nous sommes reliés, en quelque sorte, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un principe silencieux qui ne parle que quand on ne dit rien. C'est la terre qui nous nourrit. Et cette terre qui nous nourrit, je peux vous assurer que si vous écoutez, elle parle. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu rentrer dans ce principe de empoisonner pour produire la nourriture. Empoisonner la terre mère pour obtenir de la nourriture et pour nous nourrir. Il y a une contradiction terrible entre tuer la terre, parce que c'est le cas, et je ne veux non plus accuser personne, j'accuse un principe agronomique qui est né de la pétrochimie internationale, qui a décrété qu'il fallait un ingénieur prescripteur d'engrais, de pesticides, etc., et un médecin prescripteur de médicaments des laboratoires pharmaceutiques. Cette prescription, si vous voulez, est fondée sur une médecine, évidemment, qui est... Aujourd'hui, il y a des médecines différentes. Moi, j'ai des amis qui sont des médecins, mais qui font une approche de l'être humain autre. Elle n'est pas restreinte à une mécanicité. Il y a telle chose, on donne telle chose. On prend l'être humain dans sa globalité, parce qu'un être humain, eh ben, c'est un être complexe. Il y a la psyché, il y a l'imagination, il y a les peurs, nous sommes tous composés de tout ça. Et donc, pour ce qui concerne la Terre, c'est aussi un élément d'une très grande complexité. C'est un élément vivant. Et le comprendre, c'est comprendre justement les lois de la vie. Et c'est pour ça que je suis devenu, dans mon itinéraire, agroécologiste, où quand nous avons voulu faire un retour à la Terre, c'était en 1960 avec Michel, ma compagne. Nous étions à Paris, moi j'étais allé travailler, j'avais quitté l'Algérie parce que ça allait très mal, ça bardait, et puis en même temps j'étais exclu de mes deux cultures puisque je m'étais converti au christianisme, ce qui m'excluait immédiatement de l'islam, au monde musulman. Et ensuite, on a eu des divergences avec mon père d'adoption. Donc le fait d'avoir choisi le christianisme faisait que je ne pouvais plus retourner dans mon milieu musulman. Ça aurait paru bizarre. Et avec mon père européen, mon père adoptif, enfin, celui qui a été mon bienfaiteur, on peut dire, on a aussi une controverse qui tourne très mal et je suis foutu à la porte de la maison à Oran. Et je me trouve pratiquement... je travaillais à ce moment-là à la banque. Pourquoi j'ai travaillé à la banque ? Parce que le directeur de la Société Générale qui était d'Oran était plus catholique que tu meurs. Et quand il a vu un échantillon d'Arabes devenir catholique, évidemment, je suis devenu quelqu'un qu'il fallait soutenir. C'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler dans la banque. Et là, c'était comme mettre un chat dans l'eau. Hein. C'est aussi... Voilà. Mais ça me permettait quand même... Mes chiffres étaient tout le temps faux, mais enfin bon... À l'époque, il n'y avait pas des machines pour taper, etc. On faisait tout à la main, il fallait calculer vite les crédits.
Ben, moi, j'ai été paumé avec ça. Et à l'époque, quand on a fini la journée, s'il y avait 5 centimes dont on n'avait pas repéré, il fallait tout recompter. Et tout à la main, il n'y avait pas de truc. Et donc, ce qui faisait que j'exaspérais mes supérieurs qui devaient rester avec moi pour trouver l'erreur. Voilà. Et donc, dans ce milieu-là, ben, j'ai connu le milieu de l'argent, le rapport des gens à l'argent, le rapport, ce que signifiait l'argent, etc. Sauf que j'étais d'une incompétence totale. Et cette expérience-là était très intéressante parce que je voyais comment les gens... J'étais au guichet, quand je voyais arriver les gens, le comportement avec l'argent, c'était un observatoire sociologique extraordinaire pour voir quel est le comportement des gens par rapport à l'argent. Donc ça a été pour moi une grande initiation, si vous voulez. Ensuite, quand je quitte Paris, quand je quitte Oran, parce que ça devenait totalement impossible d'y vivre avec la violence, j'atterris à Paris avec une petite recommandation très aléatoire vers une personne qui pourrait m'aider à trouver un boulot, etc. Et j'arrive donc dans cette situation aléatoire et je finis par trouver une usine qui voulait bien m'écouter et puis il me demande ce que je savais faire. Alors, savoir-faire, je pouvais faire une très belle dissertation sur Socrate, Pascal, ce que vous voudrez, mais ça ne semblait pas intéresser mon employeur. Donc, du coup, je suis devenu ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et quand on vous dit ouvrier spécialisé, c'est celui qui n'est spécialisé en rien. C'est-à-dire celui, quand vous prenez ensuite la configuration du système de l'entreprise, il est pyramidal, avec le PDG tout en haut de la pyramide, et puis ensuite ça se décline en couches sociales, et ça dégringole jusqu'à nous, qui étions des OS, donc ouvriers spécialisés. On n'avait qu'un seul avantage, c'est qu'on ne pouvait vexer personne. Tout le monde nous pouvait nous vexer, mais nous, on n'avait plus personne dessous. Donc c'était la strate inférieure, et bien que spécialisée. Et en fait, on faisait que pousser des chariots, aller faire des trucs, c'était pas du tout. Voilà. Deuxième champ d'observation, dans ce microcosme, donc il y a le microcosme de la banque, il y a le microcosme de l'entreprise, et dans ce microcosme de l'entreprise, toujours l'interrogation redondante, qu'en est-il de l'être humain dans ces microcosmes ? C'est surtout, qu'en est-il de l'être humain ? Et finalement, bon, à tort ou à raison, je me dis que ce qui est demandé à l'être humain dans ce système, c'est de troquer toute son existence contre un salaire. Donc, on donne son existence contre un salaire, et ensuite, ben voilà, on le fait jusqu'à la retraite. Et puis voilà, je suis pas en train non plus de dénigrer ni de faire de l'humour avec ça. C'est de la réalité absolue. Ensuite, vous avez le système qui prône ses préceptes, ses principes, ses credos, qui les fait résonner très fort. Vous allez voir, le monde moderne va libérer l'être humain. On va être libéré. Alors je m'amuse à prendre l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, et je m'aperçois que de la maternelle à l'université, il est enfermé. On appelle ça d'ailleurs le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Je travaille dans telle boîte, etc. Pour s'amuser, on va en boîte, bien sûr. On y va comment ? Ben dans sa caisse, bien sûr, ça va de soi. Ensuite, quand vous êtes usé, vous avez une boîte à vieux. Et ensuite, la dernière boîte que je vous laisse deviner. Bon, un itinéraire comme ça ne me paraissait pas tellement libérateur. Donc, ce qui fait que la durée humaine, et ça, je le dis parce que je suis touché par la condition humaine, je ne suis pas en train de faire de l'humour avec ça, je suis en train de me demander, mais en fait, condition humaine dans la modernité prometteuse du meilleur, est-ce qu'elle a répondu à ses promesses ? Ou est-ce que nous ne sommes pas leurrés par un système qui nous fait croire que nous sommes libérés ? Voilà, c'était ça la question. Maintenant, celui qui fait un travail, qui l'accomplit, qui l'agrandit, tant mieux. Mais celui qui fait un travail parce qu'il faut bien manger, à ce moment-là, se pose la question. Mais chacun est libre, absolument libre. Moi, je n'ai pas accepté ça.
mais je ne me pose pas du tout un exemple. En me disant, une existence, elle est quand même précieuse, et cette existence, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que je fais de mon existence ? Voilà, je rencontre une jeune fille avec laquelle on s'entend, et puis on décide de retourner à la Terre en 1961. Pourquoi ? Par retrouver finalement la nature et ce temps-espace qui n'est pas celui de la contrainte de ce temps confiné, qui fait que l'être humain est confiné dans de l'exiguïté au milieu de grands espaces. Alors que la Terre est vaste, on est confiné dans quelques mètres carrés. Alors ça, chacun fait son choix. Moi, je suis en train simplement de témoigner, je ne suis pas en train de vous dire c'est bien ou c'est mal. Simplement, c'est une grande question que je me pose, compte tenu que aujourd'hui, si on saute un petit peu dans l'évolution, on se rend compte que est-ce qu'on a atteint, est-ce que la modernité a atteint les objectifs prométhéens qu'elle avait proposés, ou est-ce qu'elle est au contraire dans une espèce de déconvenue? Est-ce que nous ne sommes pas en train de gérer une énorme déconvenue qui nécessite aujourd'hui, quand on en fait l'analyse, et compte tenu de ce qu'elle a produit en termes de séparation de l'être humain avec la nature, de l'être humain à l'égard de lui-même, de l'être humain asservi à tout un système, des effets produits par l'être humain sur la vie tout entière, sur la sienne, comme encore aujourd'hui, vous ouvrez la radio et vous vous dites, les êtres humains sont encore en train de s'entregorger, de se torturer, de détruire, etc. Se pose la question, qu'en est-il du futur ? Si on a fait l'état des lieux, ben, l'état des lieux aujourd'hui se pose vraiment en termes très complexes. Il révèle une complexité qui ne produit pas de bonheur, qui produit au contraire beaucoup de destruction. Existe-t-il une alternative, c'est-à-dire qui replace en quelque sorte l'être humain dans un rôle autre que celui dans lequel il est, de façon à ce qu'il intègre le respect de la vie, le respect de la vie dans sa globalité, de la nature, de lui-même, de la terre qui le nourrit, etc. Est-ce que ce rêve-là peut se réaliser ? Et est-ce qu'il est possible de le réaliser ? Et comment le réaliser ? Alors, je prétends absolument pas avoir la solution, mais il reste que dans la démarche que nous avons pu avoir, nous, à l'égard de cette espèce de protestation, c'est-à-dire de prise de maquis psychologique, où jamais je n'ai prononcé quoi que ce soit de violent. Je ne crois absolument pas à ça. Nous, quand nous avons commencé en 61, on a fait ce retour à la Terre, mais dans une espèce de contexte dans lequel ça paraissait complètement stupide, parce que c'était les 30 glorieuses, et par conséquent, l'avenir de l'humanité était justement dans le système, dans les villes, etc. Et nous faisons marche arrière, en quelque sorte, machine arrière, au milieu d'un mouvement qui, lui, allait vers de plus en plus de modernité. Et quand arrive 68, on a assisté à 68, et cette révolution de 68, elle avait comme dominante et comme résonance forte ras-le-bol de la société de consommation. Donc on arrivait donc à une société, certes, prospère, mais qui ne génère pas de bonheur ni de sérénité. Donc voilà, se pose le problème. Et à partir de là, vous savez, le nombre de théoriciens qui sont venus, tous les philosophes, tout le monde s'est tourné vers une multitude de penseurs, entre guillemets, une multitude de postures sociales, la libération radicale et totale sur tous les plans. Et tout ça est arrivé à cette effervescence 68arde que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt parce que je pensais vraiment que ça allait provoquer une véritable mutation sociale. Simplement que les idéologies étaient les références. C'est-à-dire qu'on s'appuyait, on entrait dans les idéologies pour finalement sortir de cette impasse. Sauf que les idéologies sont contradictoires et nous revoilà repartis sur la dualité entre idéologies,
Et donc, on tombait. Simplement, moi, ce que j'aurais aimé qu'on dise, est-ce que cette société est humaine ou pas ? C'est tout. Ce n'est pas par référence à un tel ou un tel, mais simplement se poser la question, est-ce que nous sommes dans un registre qui est juste par rapport à notre nature, par rapport à nos aspirations, à cette aspiration du bonheur que nous avons tous, de la joie d'exister, mais que nous avons du mal à atteindre. Et puis, toute la question s'est posée comme ça. Alors, nous arrivons en Ardèche. Je suis ouvrier agricole. Je fais 3 ans comme ouvrier agricole. Je passe un petit diplôme d'agriculture pour pouvoir présenter mon dossier au Crédit Agricole pour emprunter, pour acheter un lieu. Voilà. Je finis par trouver le lieu. Et quand je vais au Crédit Agricole pour dire ça y est, je suis en règle, j'ai mes attestations de mes patrons en tant qu'ouvrier agricole, m'ont fait leur attestation. Je suis donc en règle puisque j'ai fait mes 3 ans d'ouvrier agricole, plus mon petit diplôme, le BA, le brevet d'apprentissage agricole, dans une école où j'étais devenu tout un goût le doyen, parce que je faisais partie des adultes avec des jeunes paysans, et j'ai mon diplôme, et je me présente au Crédit Agricole, ils me disent, est-ce que vous avez trouvé le lieu ? Je dis oui, on a trouvé le lieu. Alors, amenez-nous un dossier, décrivez-le, etc. Et la description était difficile, parce qu'il fallait bien que je dise que ce lieu, il n'y avait pas d'électricité, on passait 13 ans sans électricité, que l'eau était limitée, que la terre était rocailleuse, que, voilà, c'était un peu les... Et je m'entends dire, Monsieur Rabhi, on ne peut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. Vous ne ferez jamais rien sur ce lieu. Alors c'était compliqué parce que le préposé au Crédit Agricole était sympa avec nous. Mais alors après, on dit, mais pourquoi ? Il me dit, pourquoi, diable, il y a tellement de fermes, parce qu'à l'époque, 30 Glorieuses, les gens passaient, les fermes, il y en avait des quantités. Pourquoi diable, il me sort un listing, telle ferme, Vallée de l'Arieux, 40 hectares, telle autre avec équipement, telle autre 50 hectares. Ben c'est. Et vous prenez ce minable petit lieu. Nous, on est prêts à vous prêter beaucoup plus. Et au moins, vous allez faire de l'argent. Alors, quand vous dites, quand ça vous échappe, vous êtes au Crédit Agricole et que vous dites ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est quand même un peu bizarre de le dire dans l'agence du Crédit Agricole. Et alors, en fouillant les choses, pourquoi avoir choisi ce lieu ? Eh bien, simplement parce qu'il est beau, pas plus que ça. Et on s'est dit, vivre dans un lieu beau, c'est le grand luxe. C'est ça le grand luxe. Et ensuite, eh ben, on va se battre. On aura notre relation à la vie, notre relation à la nature, notre relation à la beauté de la vie. Et le reste, eh ben, on va lutter et on va s'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous faire tout le plan de réalisation, parce qu'en même temps que nous avancions, en même temps nous apprenions. Et en même temps, on était inspirés ou pas inspirés. En même temps, on faisait des choix. Certains n'étaient pas les bons, d'autres étaient les bons, etc. Donc ça, c'est une aventure qui relève de 2 jeunes de 23 ans qui essayent de survivre dans un lieu. Voilà. Et de cela, évidemment, est née une perception profonde de ce qu'est l'écologie. Et ce qu'elle représente vraiment dans le sens de cette terre, certes rocailleuse, mais qui nourrit. Et ensuite, bah, j'ai connecté avec la biodynamie, parce que ce qui était dit dans la biodynamie, c'est qu'il n'y a pas que la terre, il y a aussi le cosmos, il y a aussi les conjonctions astrales. C'est-à-dire que nous sommes dans une totalité immense dans laquelle se déroule notre vie. Parce qu'on a tendance à restreindre en quelque sorte notre espace d'existence à quelque chose de très limité. Alors qu'en fait, nous sommes liés même au cosmos. Personne ne peut nier la valeur du soleil, de la lune, etc. Mais il y a aussi les étoiles, il y a aussi tout ça. Donc ça nous replace finalement petit à petit dans cet immense contexte absolument merveilleux et à la fois mystérieux, duquel on ne peut pas dire. Mais on est enfin
reconnecter à cette symphonie de la vie. Voilà. Et c'est à partir de là que l'aventure de survie, etc., s'est faite. Et nous sommes parvenus, il y a eu 5 enfants, etc. Et après se poser la question, nous avons complètement récusé l'agriculture destructrice, la chimie de synthèse, toutes ces pratiques. Nous reprenons des pratiques qui sont inspirées par une toute autre chose, par le respect de la vie. Et étant inspirées par ce respect de la vie, eh bien, il s'avère que cette expérience devient fertile et devient efficace. Et je suis amené à partir en Afrique pour enseigner, etc. Et donc la boucle est bouclée, si vous voulez, en Afrique. Après, j'atterris dans un pays qu'on appelait la Haute-Volta à l'époque, qui est devenu le Burkina Faso. Les paysans pauvres, ces paysans qui ont été en fait asservis par une logique. C'est-à-dire que ces paysans qui s'étaient organisés depuis des siècles, avaient organisé leur vie, quand la modernité est arrivée, ben ça a été une énergie humaine qui a été sollicitée, même presque contrainte, à produire des produits exportables. Selon le pays, les arachides, le cacao, le café, le coton, etc., et qu'on a fait rentrer dans une logique à laquelle ils n'étaient pas préparés. Parce que ce n'était pas du tout le monde de l'argent. C'était le monde où les gens répondaient à leurs besoins directement, dans leur rapport à leur terre, dans leur rapport à leur troupeau, dans leur habileté manuelle, dans ce qu'ils construisaient eux-mêmes, leurs enfants, leur maison, etc. Et tout ça a amené à une société qui s'était en quelque sorte équilibrée à travers le temps, responsable aussi des évolutions, responsable négative au niveau des évolutions écologiques, parce que trop de troupeaux, parce qu'on prélève trop de bois. Les villes grandissent, il faut alimenter les villes en bois, donc on déforeste énormément. Des troupeaux en excès continuent à désertifier. Et les engrais, les chimiques, etc., font le reste. Et voilà que dans ces pays, non seulement les gens n'arrivent pas à satisfaire en quelque sorte leur propre nourriture, mais par leur comportement, accélèrent le processus de désertification. Puisqu'en déboisant, on dénude le sol. Le sol étant dénudé quand les pluies arrivent, et ces pluies, quand elles arrivent, elles sont violentes. Et donc, les pluies qui devraient être bénéfiques, au contraire, sont maléfiques parce qu'elles emportent la terre. Voilà. Et il faut donc réapprendre. Et c'est avec toutes ces observations que naît ce mot, non pas biologique, mais agroécologique, où il faut apprendre aux paysans à gérer même le milieu et l'espace de façon à le protéger contre la dégradation. Chaque année, les pluies sont rares, donc il y a un réfléchissement par le dénudement des sols, les réfléchissements, la chaleur augmente dans l'atmosphère, ce qui fait que la condensation ne se fait pas. Et quand il y a condensation, elle est violente, et cette violence, eh bien, c'est le sol qui est massacré par la pluie. Au lieu d'être nourri par la pluie, il est massacré par la pluie. Donc, réapprendre l'agroécologie, comment protéger les sols, comment reboiser, comment lutter contre l'érosion, comment modérer les troupeaux, comment, etc. Et toute cette logique que j'ai inclus dans l'agroécologie rentre dans la logistique globale. Et finalement, ça prend bien. Comment les matières organiques, au lieu d'être perdues, sont recyclées, sont compostées, on fait de l'humus, et avec cet humus, on le met dans le sol, et il va donner une fertilité extraordinaire au sol, sans recours aux engrais chimiques et aux pesticides qui leur coûtent très cher. Voilà. Cette aventure prend beaucoup d'importance, et un jour, je suis convoqué par le président, donc on crée le centre de formation à l'agroécologie de Gorom-Gorom, au nord du Burkina Faso, avec, certains connaissent peut-être, l'ex-compagnie aérienne Point Mulhouse, et cette compagnie qui était plutôt dans un engagement, disons, militant, une association qui possédait des avions pour faire du transport à bas prix, accessible aux plus démunis, eh bien, on s'associe, ils avaient créé un lieu qui les desservait en termes d'image, ce serait trop long à vous expliquer,
Et on a une alliance et je propose que le centre qu'ils avaient créé devienne le lieu hôtelier qu'ils avaient créé, campement, devienne aussi un lieu de formation des paysans. Et c'est comme ça qu'on crée le centre de Gorom Gorom. Donc j'ai relaté toutes ces choses-là pour ceux que ça intéresse dans un ouvrage que j'ai intitulé « L'offrande au crépuscule ». Pourquoi ? En exaltant les femmes, parce que le courage des femmes m'a toujours ébloui. Cette espèce d'énergie féminine tenace qui tient. Donc je leur ai dédié. Et ce livre, mon éditeur a voulu le présenter à un concours des livres sur l'agronomie, etc. Et je lui ai dit, tu perds ton temps. Et j'ai été surpris de voir que j'avais eu le premier prix. Voilà. Mais je me suis expliqué, évidemment, surtout. Voilà. Donc ça, c'est un épisode qui a été extrêmement important. Et à partir de cet épisode, si je vous cite ces épisodes, c'est parce qu'ensuite, c'est eux qui se sont, en quelque sorte, qui sont ramifiés pour aller le plus loin possible. Et on arrive aujourd'hui à finalement quelle humanité ? Alors il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui, la société civile est pleine d'alternatives très intéressantes, c'est pour ça que nous envisageons sérieusement un forum civique, et avant la prochaine échéance électorale, puisque je m'étais présenté en 2002, comme je vous l'ai expliqué, j'espère, je ne sais plus si je l'ai expliqué ou pas, et donc je suis rentré un peu en politique, politicienne, mais avec des critères qui n'avaient rien à voir avec la politique. C'est-à-dire que c'était l'humanisme qui résonnait et l'écologie. Et nous nous sommes organisés donc, pour aller aux signatures. Et puis on s'est dit, avec nos thèmes, le féminin au cœur du changement, l'écologie, une autre éducation, pourquoi l'éducation compétitive, pourquoi pas l'éducation coopérative, etc. Et nous nous sommes dit, avec des thématiques comme celle-là, je ne vois pas trop quelle maire va nous donner sa signature. On s'est dit, on trouvera peut-être deux ou trois maires en état d'ébriété qui vont signer, qui vont nous signer leur adhésion. Et puis finalement, on frôle presque les 200 signatures. On se dit, mince, alors on ne s'attendait pas à ça du tout, parce qu'on ne pensait pas du tout que des responsables politiques puissent adhérer à ce que nous proposons, qui n'a rien de la politique politicienne au sens classique du terme, mais qui est une politique de société, une politique humaniste. Et donc à partir de là, nous sommes stupéfaits nous-mêmes du résultat obtenu, et puis, de fil en aiguille, cette philosophie en quelque sorte se déploie, se répand, et pendant longtemps, elle n'a pas été écoutée. Et aujourd'hui, nous arrivons à une impasse majeure. L'impasse majeure, aujourd'hui, se traduit par la perte du travail, le chômage, etc. Quand on fait, en quelque sorte, l'examen de la société actuelle, on s'aperçoit qu'elle est en voie de transformation, si ce n'est en voie de dégradation. Il y a de la dégradation, mais il y a en même temps de la reconstruction. Et si on envisage le forum civique, c'est bien pour mettre en évidence le fait que la société civile est devenue un vaste laboratoire où s'expérimente demain. Voilà. Et donc, nous en sommes là. Moi, je n'ai pas arrêté, nous avons créé des structures. Il y a celle de Terre Humanisme en Ardèche, en dehors de notre lieu à nous, qui est Montchamp. Il y a donc, j'avais créé une structure à côté de Montpellier qui s'appelait le CIEPAD, Carrefour International d'Échange de Pratiques Appliquées au Développement, avec le Conseil Général de l'Hérault. Malheureusement, on a eu des déboires et puis qu'on a dû y renoncer au bout de quelques années de fonctionnement quand même et d'action Nord-Sud. Ensuite, je me suis replié sur l'Ardèche et nous avons créé donc l'association Terre Humanisme. Et Terre Humanisme a généré plusieurs organisations. Il y a le Terre Humanisme opérationnel, c'est-à-dire que vous pouvez, n'importe qui d'entre vous veut faire son jardin, apprendre l'agriculture biologique, il s'inscrit à Terre Humanisme et on a donc des formations. Nous avons un programme international
qui intervient auprès des populations qui sont dans le sud sur l'agriculture écologique. Donc ça se déploie et ça prend beaucoup d'ampleur. J'avais proposé il y a quelques années ce qu'on appelle les oasis en tout lieu. Qu'est-ce que j'entends par oasis en tout lieu ? C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui se désertifie. Ce que j'entends par désertification, ce n'est pas qu'il y a de moins en moins de monde, c'est une désertification sociale, c'est-à-dire un délitement du système social qui fait que chaque individu, à travers le salarié, le salariat devient, il est seul face à son propre destin. Et par quoi vont-ils être remplacés ? On a dit, il faut recréer des oasis, c'est-à-dire des gens qui se regroupent parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Ils vont se regrouper, ils vont agir ensemble et ils vont se solidariser dans un monde qui se désolidarise. Et ça a été ma fille, la joie de créer le hameau des Buis, qui est aujourd'hui en fait une vingtaine d'habitats, une école, un collège. Les gens sont dans une architecture de terre, etc. L'autre élément, ça a été les Amanins. Les Amanins, c'est dans la Drôme, certains le connaissent. C'est la rencontre avec un certain Michel Valentin qui vient me voir et qui me dit, moi, je sais gagner de l'argent, mais pour autant, je ne suis pas heureux. Bon, soit, mais quoi faire ? Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? Je lui dis, il me dit, toi, tu as des idées qui me plaisent beaucoup, est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer ? Je lui dis, écoute, moi, je n'ai que les idées à apporter, je n'ai pas d'argent. Et il me dit, l'argent, ce n'est pas un problème, moi j'en ai, etc. Et nous sommes alliés pour créer les Amanins, qui est dans la Drôme, une structure de 55 hectares, où il y a de l'élevage, il y a de l'agriculture. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu, disons, convivial, et c'est un lieu qui est dédié, justement, aux valeurs que nous partageons. Voilà. Ensuite, je dis peut-être pas dans l'ordre. Ensuite, ça a été Colibri, disons. Colibri, ça a été, en fait, nous sommes dans une société qui se lamente beaucoup, n'arrête pas de se lamenter, ça va pas, etc. etc. Et puis un jour, je lis dans une revue, je me rappelle même plus laquelle, j'ai lu une légende qui amérindienne qui disait qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux atterrés étaient là en train de contempler le désastre, impuissants. Et puis, par contre, il y a le petit oiseau qu'on appelle colibri qui, lui, ne baisse pas les ailes, si on peut dire. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, il les jette sur le feu, il s'active. Et puis, le tatou qui l'observe depuis un moment lui dit, colibri, c'est quand même pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Et le colibri le regarde en face et lui dit, je le sais, mais je fais ma part. Et je me suis dit, paf, ça a fait tilt. Faire sa part. Il ne faut pas rester comme ça, impuissant, mais faire sa part. Et c'est comme ça que cette idée-là, on a traité avec Cyril Dion, on a mis en place et on a créé le mouvement Colibri. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans un mouvement femmes semencières. Vous savez que, pour ne parler que des mouvements, vous savez que 75% des semences que l'humanité, depuis 10 à 12 000 ans, a collectées, qui étaient le patrimoine vital de l'humanité, transmissible de génération en génération, 75% a disparu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a des stratégies ? On confisque à l'humanité ses potentialités. Et ensuite, on met les OGM, on crée des espaces de profit criminels. C'est vraiment criminel. Ces gens-là devraient être vraiment traduits en justice parce qu'ils commettent des erreurs, des horreurs contre l'humanité. Parce que quand les semences, c'est très, très important. En Inde, il y a eu des suicides incroyables par les OGM. Le brave paysan, on lui dit, il faut cultiver ça, tu vas voir, c'est formidable. Il cultive, effectivement, il est ébahi par la première récolte. Ensuite, il fait comme d'habitude, il reprend des graines de ce qu'il a récolté, il les ressème, la plante pousse et ne donne rien. Donc voilà un paysan ruiné. Donc ici, il y a eu gros suicide, mais on n'en parle pas beaucoup de ces tragédies. Donc ça a été de dire, maintenant, il faut absolument s'occuper des semences parce que
c'est le patrimoine vital, et on a créé le mouvement Femmes Semencières. On a confié ça plutôt à des femmes. Nous avons, dans les pays du Sud, créé des structures. Il y en a une au Maroc qui vient juste d'être inaugurée, un terre-humanisme maroc. Et ce terre-humanisme maroc est destiné à former les paysans marocains à l'agriculture écologique. Après, évidemment, tout un travail de sensibilisation, on aboutit aujourd'hui à dire qu'il faut créer des structures qui permettent aux paysans de rentrer dans la logique de la vie par l'agriculture. Se nourrir, mais au lieu de détruire, au contraire, on régénère, on augmente les potentialités. Donc ça, c'est aussi en route. Et puis, il y a d'autres structures qui se créent un petit peu partout, plus les mouvements, plus tout ça, ça fait une totalité quand vous mettez les choses ensemble d'un mouvement général qui est basé sur des valeurs communes, mais qui se manifeste de diverses manières. C'est-à-dire les valeurs communes restent l'humain et la nature en priorité absolue. C'est l'humain et la nature, les priorités absolues. Et partant de là, et de cette idée fondamentale, eh bien, on crée et on adapte, en quelque sorte, les structures à ce paradigme fondamental. Cependant, sans illusion. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire, exploiter son prochain. Ce n'est pas incompatible. Je peux aller manifester contre ceci et cela, et rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui m'entourent. Il faut donc bien prendre en compte aujourd'hui qu'il ne faut pas s'illusionner avec les alternatives. Certes, il faut des alternatives, mais je ne crois absolument pas, et ça c'est dans mon credo absolu, qu'il puisse y avoir aucun changement de société sans changement humain. Si l'humain ne change pas, rien ne changera. Voilà. Et déjà la bio, nous on s'est battu beaucoup pour la bio, mais maintenant on la trouve banalisée dans des McDo, partout. Voilà. Et pourtant, on en a fait. Nous, la bio, c'était pas simplement se nourrir bio. Elle était basée sur une philosophie, basée sur une éthique, basée sur des règles morales. Elle n'était pas simplement changer d'agronomie. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut réaffirmer de plus en plus que c'est par le changement humain que la société peut changer. Ce qui fait que cette idée du changement humain devient pratiquement le credo fondamental à partir duquel on peut changer le reste. Et on continue, donc ça travaille au niveau des consciences, au niveau de l'évolution humaine, au niveau de cette déontologie de la vie, parce qu'autrement, on perd son temps. Voilà, moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps à croire que ça, simplement parce qu'on mange bio, tout ira bien. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé d'adopter ce que je dis. Par contre, je dirais que l'idée générale, c'est ce qui a été posé en termes politiques en 2002 pour ce qui me concerne. Humain et nature au cœur, au cœur comme référence absolue et organisation de la société à partir de cette référence, et non pas le contraire. Le contraire, j'y crois pas. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je pense que je suis dans les temps, patron, ou pas assez. On a le temps ce soir. Bon. Donc, à partir de là, je pourrais vous dire encore, mais d'abord, j'ai souvent le sentiment personnel de ressasser. Mais comment faire pour ne pas ressasser, puisque ces idées, elles sont effectivement, elles prennent des tournures. On a des prolongations, disons, dans la réflexion, en fonction des conjonctures, en fonction de l'état social, en fonction de l'état politique, en fonction de tout ce paradigme qui finalement est en faillite, et à partir duquel devrait naître une nouvelle référence. J'ai fait le test de dire on ne pourra jamais avancer si on ne renonce pas à cette foutue croissance économique qui est un désastre, parce que la croissance économique, c'est elle qui a instauré en quelque sorte une compétitivité internationale,
et qui permet finalement à chaque nation d'évaluer sa prospérité à partir de ses fonctions, en quelque sorte, et de ses réussites ou de ses résultats financiers. Et c'est ce que je disais tout à l'heure déjà, c'est qu'il faut absolument qu'on révise la notion d'économie. Tant qu'on n'aura pas révisé cette notion d'économie, on restera dans le flou et dans une ambiguïté. L'économie, on a réduit ça à la parité financière. Ce verre, il a une valeur que par le fait qu'il est la représentativité financière. Mais en fait, ce qui est occulté dans l'économie, c'est tous les actes gratuits que nous faisons tous les jours pour que l'économie telle qu'elle est définie, qui est une fausse économie, puisse, elle, perdurer et exister. Donc si on ne révise pas l'économie en termes de ce qui est acquis par l'argent et en termes de ce qui n'est pas acquis par l'argent, soit on est dans une société de consommation et on dit, bon, un être humain est né pour produire et consommer. C'est la logique actuelle. On prépare l'enfant à consommer et à produire et consommer. Auquel cas, je peux parfaitement trouver légitime qu'une mère de famille envoie sa facture à l'État pour lui dire, je vous ai fait un petit consommateur producteur, vous me devez tant. Ce serait logique. Voilà. Ou alors on est dans la vie, et la vie n'a rien à voir avec la croissance économique. La vie, c'est la vie. D'autant plus qu'on s'est chèrement payé quand, dans l'immensité de la Terre, dans l'immensité et la beauté de l'espace dont nous disposons, nous passons notre temps en grande partie confinés dans quelques mètres carrés. Moi, on m'a demandé l'autre jour quel était on parlait appartement. Moi, il se trouve que j'ai un appartement de 20 hectares. Parce que, c'est pas mal, j'ai pas que quelques mètres carrés, parce que habiter, c'est quoi? Est-ce que habiter, c'est être dans un espace restreint dans lequel j'organise mon existence? Ou est-ce que c'est la vastitude du monde? Mais nous sommes habitants de la Terre, nous ne sommes pas habitants de quelques mètres carrés. Donc tout ça demande, je ne vous demande pas d'adopter ce que je dis, vous pouvez parfaitement remettre en question ce que je dis. Ils vont le faire. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est de dire, c'est non pas la critique des êtres humains ou des humains, c'est plutôt la critique d'un système que je considère vraiment comme un système d'aliénation qui produit 30 à 40% de déchets, de choses inutiles, qui mobilise pour cela de l'énergie, de la créativité, etc. Et à côté de cette pléthore de superflu, il y a une autre humanité qui n'a même pas l'indispensable. Donc ce qui veut dire que la vision future, et après on dit, ah bah oui, ça se bat de tous les côtés, il y a des attentats, il y a des terroristes, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas la cause de cela? Est-ce que ce n'est pas une inéquité générale qui fait que les gens qui se sentent relégués, exclus, réagissent? Je ne les excuse absolument pas, je ne suis pas là en train de les justifier. Mais je dis, dans le système humain, globalement, aujourd'hui, on peut assister à des super repus et extrêmes affamés. Et donc, cette partition entre super repus jusqu'à jeter, jusqu'à gaspiller, et ceux qui n'ont même pas accès à un bol de riz à donner à leurs enfants, il y a quand même une injustice universelle qui devrait être solutionnée, sinon elle sera source de violence inouïe. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à dire « je me fous littéralement de ma vie ». Alors on leur dit « si tu tues, tu vas au paradis », ils acceptent le deal. Donc aujourd'hui, se pose la question « quel avenir ?» Quel avenir pour l'humanité? Et c'est à cela qu'il faut réfléchir très sérieusement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Thank you.